vidéo tout à fait d'actualité sur le brossage du chat. Parce que vous, comme nous, j'imagine que vous en avez assez de voir les moutons de poils qui s'accumulent sur le sol de la maison et qui nécessitent un passage d'aspirateur tous les jours. C'est vrai qu'en cette saison, les chiens comme les chats perdent beaucoup leurs poils. Alors nous, on vous conseille d'utiliser ce type de brosse. C'est pas une publicité pour la marque, parce qu'après tout, il y en a plusieurs, mais c'est surtout cette technique. La brosse est composée d'un peigne unique, fin, avec des dents courtes et très rapprochées. Elle est vraiment extrêmement efficace. Elle associe à la fois l'action mécanique d'accrochage du poil et une action électrostatique. Le poil est vraiment attiré vers la brosse. Comme vous pouvez le voir, en 2-3 coups, on a déjà récupéré pas mal de poils. Ça n'est absolument pas douloureux. Bon, Suri est un chat particulièrement docile, mais vous voyez, elle ne bouge pas du tout. Non, non, tu ne bouges pas, Suri, tu montres comme tu es sage. Et donc vraiment, on permet de retirer énormément de poils. C'est important de brosser les animaux à cette période de l'année parce que leur mue donc leur fait perdre énormément de poils et le poil mort s'accumule sur leur corps. Ça peut avoir plusieurs conséquences. Pour les chats qui font leur toilette à longueur de journée, forcément ils vont avaler quantité de poils et ça va ressortir sous forme de vomissement de bout d'un poil. Donc tout le poil enlevé, ce sera autant de poils qui ne sera pas avalé par le chat. De plus, le poil qui s'accumule peut provoquer la formation de bourre. C'est le cas en particulier sur les animaux qui ont le poil très laineux, par exemple les chats persans. On a vraiment des nœuds type dreadlocks qui se forment à la base de la peau et qui sont complètement illusoires d'espérer démêler avec quelle que soit la brosse ou le peigne que vous choisissez. On a quelques chats dans la clientèle, on est obligé de les tondre une à deux fois par an parce que sinon vraiment c'est impossible de récupérer leur beau pelage. Et pour finir, l'accumulation de poils morts peut provoquer une apparition de squames, autrement dit des pellicules, surtout sur la partie arrière de la colonne vertébrale. Donc on a un poil moins brillant et le chat peut après présenter des démangeaisons. Donc n'hésitez pas, quelques coups de brosse par jour et votre chat et votre appartement s'en sortira beaucoup mieux. À bientôt, au revoir.